Salut à tous les amis, c'est Valo, on se retrouve sur Ukrainian Ninja. Ukrainian Ninja, c'est un petit jeu qui est vraiment très naze, mais bon, faut aimer, hein. Moi j'ai vraiment pas accroché, mais bon, tant pis. Donc, Ukrainian Ninja, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de petit jeu de plateforme sans grande prétention, où on incarne un ninja, forcément, hein, d'où le nom. Et bien sûr, vu que c'est un ninja ukrainien, qui dit Ukraine dit pays de l'Est, qui dit pays de l'Est dit arme des pays de l'Est. Et quelle est l'arme des pays de l'Est la plus connue dans le monde? Eh ben je vous le mets dans le mille, c'est la Kalachnikov. Et donc notre petit ninja est équipé d'une Kalachnikov. Donc là, il faut juste un petit peu, voilà, résister avant que la porte ne s'ouvre. Et en fait, c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a vraiment des gros soucis au niveau du gameplay. On arrive vraiment, on a vraiment du mal à le contrôler, ce ninja. Non, il est retombé. Ah, zut. Hop là. On prend quelques sous-sous pour parce qu'il y a de temps en temps au milieu du niveau, il y a un marchand pour pouvoir racheter des munitions ou oui, des munitions. Des munitions et de se remettre de la vie aussi par moment parce que quand on se fait trop toucher, bah ça fait mal. Donc il faut se remettre de la vie. Les wall jumps sont d'une dureté, mais à toute épreuve, quoi, dans ce jeu. C'est un ninja, il est censé être fort au wall jump. Ah merde, et je tombe en plus. Bon bah j'aurais pas le bonus de sous-sous, tant pis. Et la hitbox aussi est juste terrible, quoi. J'ai l'impression de pas les toucher pourtant les balles ennemies, mais ben non, ça me touche apparemment. Wow, ça c'était risqué. Ah purée! Quand je dis que les wall jumps sont vraiment chiants, c'est pas pour déconner, quoi. C'est vraiment dur à contrôler. Il m'a pas vu, il m'a pas vu non plus. Ah bah y a rien, super. Ah! Oh putain. Pourquoi il s'accroche sur ça? Quel con! Je vais pas arriver à aller au moins à la moitié du niveau, j'en suis sûr. Allez, c'est bon. Je vais au moins atteindre le checkpoint, c'est déjà ça. Ah voilà, c'est ça que je vous disais. Il y a le marchand auquel on peut racheter des munitions, des shurikens, reprendre un peu de vie si on a besoin. Et après, on peut continuer un peu à jouer. Ah bah voilà, je suis mort, c'était le feu en bas en fait. Et ouais, c'était la blague. Bon, ils ont été cool parce qu'ils m'ont remis, au-dessus. Un petit défi parcours. Non, je vais rien réussir du tout aujourd'hui en fait. Je suis vraiment naze. Bon bah tant pis.
Et allez, c'est fini. À plus les amis. Salut.